Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Emmanuel, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, je voulais vraiment partager avec vous les deux notions clés qui pour moi ont fait une énorme différence dans ma vie. Alors, je suis actuellement dans un bateau ferry qui me ramène sur l'île de la Graciosa, aux Canaries, qui veut dire la grâce, la spirituelle aussi, on l'appelle cette île. Et alors peut-être vous allez avoir un petit bruit de fond de par le contexte autour. Donc revenons à les informations importantes. Donc c'est quoi ces deux éléments clés qui ont complètement chamboulé et chaviré ma vie et surtout ma spiritualité, mon parcours thérapeutique? Un, c'est l'écoute du corps, la capacité à être en écoute de son corps physique. Et deuxièmement, c'est le pouvoir du verbe. Et en fait, c'est le mélange des deux qui a vraiment boosté complètement ma spiritualité. Alors l'écoute du corps, qu'est-ce que c'est? C'est simplement être à l'écoute des ressentis, de qu'est-ce qui se passe, comment réagit mon corps aux situations et à l'environnement. Est-ce que je suis quand je suis sous stress, quand je suis dans des relations familiales, lorsque je suis au travail, lorsque j'ai à vivre une émotion, comment il réagit? Est-ce qu'il se tend? Est-ce qu'il se détend? Comment réagit mon bras? Et comment réagit ma respiration? Et le fait de pratiquer et de développer cette écoute du corps m'a aidé à prendre des décisions. En fait, d'une façon très très simple, c'est quand je me suis rendu compte que mon corps se relâchait de façon générale, quand j'étais bien, quand ça me faisait du bien, quand ça me nourrissait, et en fait, il se mettait sous tension dès que j'étais dans une dynamique qui ne me correspondait pas. La mouche battant, s'il te plaît. Et donc, le deuxième point clé, ça a été le pouvoir du verbe. Comment utiliser le pouvoir du verbe créateur pour m'aider à prendre des décisions et à aller sur mon chemin, c'était vraiment ça. Et également accompagner, les accompagner, c'est comme ça que je l'appelais, qui étaient dans mon cabinet lorsque j'avais mon activité de thérapeute, j'utilisais énormément le pouvoir du verbe couplé à l'écoute du corps. Tout simplement en disant des phrases et en observant comment le corps agissait. Donc si je disais une phrase, prenons une phrase très très simple, que personne pourra nier, je suis incarné dans un corps de lapin. Mon corps se tend, tout simplement parce que c'est faux. Ce n'est pas une réalité. Je ne suis pas incarné dans un corps de lapin. Je suis actuellement dans un bateau entre les îles des Canaries. Ça me fait respirer, il y a une détente au niveau des épaules, cette affirmation est vraie. Et donc, à partir de là, ça me permettait de faire des choix. Alors, comment j'en suis arrivé là? Il y a un événement en tout cas qui s'est répété, qui m'a permis d'arriver avec ces deux éléments clés, c'est les constellations familiales. C'est ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert en faisant des dizaines et des dizaines de constellations familiales et également en animant après les constellations familiales. Je me rendais compte que lorsqu'on affirmait quelque chose de vrai, il y avait un relâchement du corps et que ça s'observait chez les autres également et ça pouvait s'observer sur soi. Et donc, au cours des constellations familiales, qui est un outil que j'utilisais pour ma propre thérapie pour aller vers plus de mieux-être, vers plus d'harmonie avec mon âme et mon homme intérieur, effectivement. J'ai développé et pris conscience petit à petit de ces deux outils fondamentaux qui sont l'écoute du corps et le pouvoir du verbe. Donc c'est vraiment voilà, comme ça que j'ai appris à découvrir ça. Et puis, il y a une raison où je me suis, pour laquelle je me suis développé sur ce chemin-là également. C'est que, un, je suis quelqu'un de très cartésien, j'ai un bac scientifique au départ, et donc je peux avoir un mental très, très actif, en fait, et un ego très très fort également. Et ça m'a permis à un moment de ma vie de squeezer ça, et de dire, ok, la tête tu dis quoi, mais le corps tu dis quoi? Et très souvent, il y avait deux notions, deux informations complètement contradictoires, et l'observation a fait que lorsque je suivais ce que me disait mon corps, la vie était plus simple. Même si parfois elle m'amenait vers des épreuves, entre guillemets, en tout cas des chemins auxquels je ne m'attendais pas, derrière il y avait toujours un mieux-être. Et une autre raison qui a fait que j'ai développé ces deux outils, c'est que j'ai une mémoire dite de poisson rouge. Donc j'ai vraiment très très peu de mémoire. Et il fallait que je m'appuie lorsque je croisais des amis, lorsque j'avais des personnes dans mon cabinet et qui me disaient, ah, mais la dernière fois il s'est passé ça. Est-ce que la personne me ment? Est-ce que vraiment je dois aller sur ce chemin-là? Et donc je faisais l'affirmation intérieurement et je voyais comment réagissait mon corps. C'était une compensation
à ma mémoire. Donc, c'est pour ces raisons-là que petit à petit, toutes ces raisons que j'ai développé ces deux outils-là. Alors, lorsqu'on pratique ces outils, il y a des pièges à éviter. Notamment vouloir être parfait dans ses affirmations, parfait dans sa capacité à écouter son corps. En ce sens, je dis rejeter le doute. C'est vraiment un piège à éviter. Ah, les moteurs se relancent. Car le doute fait partie de la vie et peut être un excellent guide. Mais le piège à éviter, c'est la peur de se tromper. À un moment, le jour où je suis autorisé à me tromper, en écoutant mon corps, ou en disant des affirmations verbales qui n'étaient pas tout à fait exactes, en juste, ça m'a libéré quelque part intérieurement. Donc c'est vraiment le piège, c'est la recherche de la perfection en permanence. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit d'être dans l'erreur, et c'est souvent en dépassant nos erreurs et nos difficultés qu'on a des pépites dans notre vie. Donc ça, c'est vraiment un piège à éviter, c'est d'essayer d'être dans la perfection, ne pas s'autoriser l'erreur, ne pas s'autoriser à se tromper. Donc je ne dis pas que c'est facile de dépasser ce système de croyance, mais vous avez sûrement autour de vous des outils pour ça, pour changer ce qu'on appelle le mindset en anglais, et donc changer votre système de croyance. Et une clé pour être dans la réussite avec ces outils-là, c'est de passer à l'action. C'est vraiment d'observer autant que vous pouvez vos réactions corporelles et les réactions de votre respiration. Faites-le en attendant le bus, faites-le quand vous êtes dans des repas de famille, quand vous avez des temps morts. Il n'y a pas besoin d'être quand vous faites la queue dans un magasin, par exemple. Comment je me sens avec cet environnement? Voilà, arrêtez-vous. Comment vous vous sentez en réaction en train de m'écouter dans la vidéo, par exemple? Et donc, vraiment, la clé, c'est le passage à l'action. C'est une clé fondamentale dans bien des domaines. C'est de passer à l'action, c'est quelque chose qui est en lien avec l'incarnation, mais la matière. Passer à l'action. Vous recevez l'information, testez-la et vérifiez si pour vous elle est vraie, si pour vous c'est une clé ou pas. Et pour cela, il est nécessaire de passer à l'action. Donc, il y a un endroit où une clé, ce serait par exemple de s'obliger 3 fois par jour, 3 fois 30 secondes, pas plus, de observer son corps. On peut même imaginer que vous pourriez vous mettre une alarme sur votre smartphone et en décidant de 3 moments de la journée, et quand ça sonne, vous vous arrêtez pendant 30 secondes et vous observez comment réagit votre corps par rapport à la situation que vous vivez là. Si vous êtes en couple, si vous êtes en environnement professionnel, si vous êtes en train de faire les courses, si vous êtes en train d'écouter une vidéo, si vous êtes en train de conduire, peu importe. Tout d'un coup, vous arrêtez et en conscience, vous allez observer ce qui se passe. Et petit à petit, vous allez comme ça développer la confiance dans ce que vous allez observer. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, vraiment pour vous mettre en avant et pour partager avec vous ce qui a été pour moi. Donc peut-être que ce ne sera pas pour vous des clés fondamentales, mais pour moi, ça a été des clés fondamentales, ça a été d'écouter mon corps et d'utiliser le pouvoir du verbe, de mélanger les deux.